et ce channel-là, nous pour nous inscrire et abonner à ce channel-là. En fait, nous voulons porter pour update que qui fait que sortir la nouvelle qui fait tomber là, c'est que président Donald Trump invité leader de chambre Sénat et chambre députée, l'invité demain s'il y avait, pratiquement demain après-midi, mercredi, l'invité pour être capable de faire un briefing sur border security. OK? Donc, nous comprenons bien, gon bataille sémantique là. Lors du border security, ça veut dire pour mettre sécurité au niveau frontière là. Il pas nécessairement dit c'est mûr. Or, dans tête trop, dès que vous dites border security, c'est mûr. En fait, démocrate, vous avez toujours dit vous-même, vous êtes prêt pour négocier sur border security, mais vous n'avez pas causé mûr. Donc, c'est comme ça bataille là. Donc, on dit. Et depuis shutdown, ça a commencé depuis 22 décembre, c'est justement pour la première fois côté que officiellement Donald Trump a invité tous les leaders des deux chambres pour venir justement négocier. Mais tout le monde connaît, il n'est pas vraiment facile de parler de négociation avec Donald Trump parce que monsieur, dans le langage, dans le discours, il a toujours pensé qu'il est capable d'imposer sa volonté. Donc, j'en dis, ah, et c'est sur anyway, c'est bon de la folle journée, alors que diriger, mandé, faut gagner tac. C'est ça, le dit. En fait, l'on veut contrôler le monde, faut pas toujours montrer que c'est au gain plus pouvoir, parce qu'on pas qu'à allons à mettre dans un démocratie pour faire au fond bagage. Donc, c'est négocier, cap négocier. Donc, monsieur qui te voit en tout côté, qu'il dit, bon, comme avertissement à Nancy Pelosi, il dit que le pas croit que Nancy Pelosi t'a voulu commencer. Réunis, en fait, nous connaissons que Nancy Pelosi, c'est lui-même qui parle Speaker of House. Il dit que le pas pensé que Nancy Pelosi t'a voulu commencer et pouvoir là comme Speaker House avec un problème shutdown. Donc, il demandait pour faire un deal. Sur Twitter, il dit let's make a deal. Maintenant, let's make a deal. Ça veut dire. Okay? Deal, tout le monde comprend que moi, je nous joindre. Donc, ce n'est pas nécessairement, en fait, pour certains républicains, deal, ça veut dire que moi, je demande 5 milliards. Eh bien, ma passe la 3 milliards ou bien ma passe la 2 milliards. Non. Souvelez au moins. Parce que ça démocratie offrit, c'est 2 points, c'est 1,3 milliard. C'est ça, ou les points bas. Et vous pas bali pour mieux, ou bali pour fence. En fait, deal, si vous avez, j'en dis, vous avez 3 milliards ou bien vous avez 2,5 milliards, il faut qu'on bagaille pour bailler en retour. C'est ça lié. En fait, au monde, ou pas de besoin de passer dans Harvard, ou pas de besoin de passer dans MIT. Go université pour faire logique simple ça. OK? Et des républicains comprennent ça tout. C'est ça que fait Lindsey Graham. Tu as parlé de yon deal côté que yon te capable de bailler TPS avec Dakar papier. C'est des possibilités à explorer. Et, mais tout le monde pense tout cap. Faut avoir une grande réforme de l'immigration. Mais ça son bon débat. Et bloquer pays pour causer ça, nous pensons qu'on va bloquer pour longtemps. On va pas bloquer pays pour parler de réforme au niveau de l'immigration. OK? Donc, anyway. L'invitation à lancer et mercredi soir, leader démocrate, que ce soit Chuck Schumer, que ce soit Nancy Pelosi, que ce soit Mitch McConnell, avec deux autres leaders encore qui n'ont au niveau de démocrate. Donc, il y a bien pour une franchise à parler, puisque on dit bien, c'est trois entités qui impliquaient les au palais de budget, c'est Chambre députée, Chambre Sénat et Président. Il faut que trois monde ça mette au d'accord. Pour capable venir en bagarre. Donc, le président Donald Trump invité justement pour une fois à parler pour sortir en bagarre. OK? Et maintenant, on dit que démocrate au bon côté pas yo déjà fait plan pas. Qui plan démocrate? Démocrate dit yo même je dis bien bonnet ça on va le faire. C'est que yo pral diviser budget. Comprendre mes tactiques yo. Yo dit que bon, puisque véritable bataille qui gagne, hein, c'est au niveau du département Homeland Security, qui est aussi supposé financer, et que Donald Trump est allié, l'autre mandé qu'il faut gagner plus de cob pour continuer. Comme étant donné l'autre département, où l'on prend département de l'agriculture, ils ont bon l'autre département encore, département ça n'a pas de problème pour eux. Donc, je dis pour qui ça non pas? En fait, ils ont proposé eux-mêmes, ils ont divisé et vote là en deux. Ils ont un premier package qui prend et justement, financer tout l'autre département, avec tout l'autre ministère, que ce soit le ministère de l'Agriculture, tout l'autre ministère qui actuellement a un problème, qui n'a pas de budget et que Mounio a travaillé là-dedans, soit à crédit ou bien qui a un pays où vous voyez la caillou.
Donc, yo di ke yo pral vote yon budget normalman pou jiska septembre, 30 septembre, pou moun sa, yon budget annuel. Mèdan, kom yo konen ke gen yon diskisyon, gen yon batay, gen certain logik, yap divizyon lot package, ki se Homeland Security, kom yon diskisyon pou gen yon tan, mè yo di, yap mette yon package, simplement pou jiska fevriye, an atende go fè negosyasyon. Donc, an nou di ke, departman ke yo pral bayo se agrikultur, departman de l'interieur, housing et urban development, et tout l'autre qui est affecté par shutdown partiel. Donc, dans le monde, les noms du shutdown, il n'est pas total, c'est ça que fait, sous 15 ans, mon capteur a été dans le driver license dans l'autre département où il travaille. Comment l'autre département qui travaille? Ce n'est pas un shutdown total, c'est un shutdown qui partiel. Okay? Et il y a d'autres départements, tout, même lorsque on prend Homeland Security, c'est vrai qu'il est affecté, mais là, on prend Border Patrol, des éléments nécessaires. Yo pa ka mette moun sa yo voyo la kayo. Donc moun sa yo oblige vin travay kan men, menm loske yo pa gen pou yo touche. E, mednan, donc sa ve di ke, e, problem ki pal vin gen, en fait, nou ta pale de plan demokrat yo pal gen, se ke, ma kom el di li menm, los si demokrat yo voyo, en fait, di ke li menm, pour mettre un, quel que soit plan, pour le mettre sous floor là, pour voter sous lui, il faut qu'il sûr que le président va le signer. Parce qu'il dit lui-même, en fait, en parlant de, il a parlé de leader démocrate, leader républicain au niveau du Sénat, il dit que, il va pas le voir, on l'aura devant la présidence, alors qu'il connaît son bagage à la voter pour la forme et que le président pas signer. OK? Donc c'est dans ce sens ça. Mais maintenant, action, ça va le mettre en pression. Parce que sinon, dit que, et c'est entendre, non pas entendre, non simplement qui j'ai financer. Département de la sécurité, l'autre cap mandé 1000, l'autre cap mandé 5 milliards, 3 milliards, alors que démocrate yo dit, mais pas breeding, c'est 1,3 milliards. Donc, démocrate yo dit, logique, c'est mettre pression. Est-ce que nous sommes obligés de faire tout le monde ça, ou absolument tout le département, nous parlons du département de l'intérieur, département de l'agriculture, urban house, tout l'autre ça, est-ce que tout le monde ça obligé à souffrir, alors que le monde ça a gagné rent pour payer? Donc, vous voulez mettre en pression pour dire, OK. Donc, logique, on vote sur ça, qu'on a mis d'accord, parce que nous n'avons pas de problème avec le département ça. An bay yon vot temporel pou Homeland Security a. Dok yon men mi ap vore li. Dok sa a pral mette yon sinyal kle. Ebe di, responsabilite a la, balon pral nan men, justement le republiken. Eske efektivman yon pral bloke tout moun sa yo pou di ke, ebi, yon pap gen rezon pou yon di ke konye la, yon pap finanse yo sou baz mi yo. Paske sek departman sa yo pa gen rapor avek mi, pil lot e minister sa yo. Yon pa gen rapor avek mi. Ok? Et maintenant, il y a un bon bagage qui flou dans White House, c'est réponse. Je dis, président, nous n'avons pas jamais dit qu'il a veto si on telle loi a passé. OK? Donc, il dit qu'il faut bill la vigne sous bureau avant pour connaître s'il a veto. Donc, voilà. C'est pour ça que vous dites qu'il y a un bon flou. Non, après, il dit que si sa démocratie au fait, s'il vient sous desk, s'il pas voter. Donc, il a toujours, parce que j'ai affaire à son bagage qui est vraiment très intelligent, parce qu'il n'a pas voulu dire qu'il perd 10 batailles là. Donc voilà. Et maintenant, j'ai noté qu'on est, c'est qu'au moins il y a un républicain en parlant de l'Instagram qui t'a encouragé trop pour l'utiliser et pour explorer d'autres pistes. Donc on parlait de Dreamer, Mundaka, mon TPSO, s'il t'a appelé plus ou moins pour t'a gagné un véritable deal. Mais tout ça t'a dit là, pas jamais gagné une véritable négociation en substance sous causer deal là. Et d'après moi, s'il pas trop tard pour y parler de un véritable deal au niveau grand, parce que l'un dit trop tard, pas oublier que grand ensemble de monde là qui a posé cette question et qui gens vont le vivre à partir exactement de semaine ça là, à qui ça va le payer billio, payer caillou, gagne malade, ce genre de choses. Donc est-ce que effectivement nous capables négocier sous base ça? Nous pensons que l'île est le temps, nous pensons qu'il a privé d'un niveau pour au fond sens de maturité parce que son pays a géré. Quand même, c'est pour une boîte, bien entendu. Et c'est des êtres humains qui gagnent qui gagnent petit monde, qui ont ensemble de responsabilités. À un certain point de la durée, nous pensons qu'il faut que, et pour gagner notamment des personnalités qui ont dit non, let's get back to business. C'est vrai que nous gagnons des problèmes de entente, mais il n'est pas possible pour nous mettre main dans la grande mounio sous base que nous ne pouvons pas entendre. Donc voilà, Jean, et ben là, et donc ça veut dire que. Mercredi soir, nous allons connaître sa cap sortie, mais au moins quand vous prévoyez, tenant compte de posture Donald Trump, langage, il en fait, nous parlons qui est capable de
fait ça entarer un comportement de négociateur. Très certainement, peut-être pas autant by Pence autorité pour négocier. Et parce que si nous avons suivi, dernier pour parler qui te gagne, ça a été fait devant les journalistes, nous avons aussi véritable bataille. Yon qui t'a tiré sous l'autre. Or, l'arrivée de compromis, ou pas qu'à venir dans le langage comme ça, on va parler de compromis. Compromis supposé que faut gagner des personnes qui ont une maîtrise de langage, pour pas montrer que c'est moi qui parle gagner. C'est l'arrivée de compromis. C'est pas question de dire map gagner, non, c'est pour population gagner. Donc, c'est ça, il dit pour moun yo gagner. Donc, c'est langage ça. Donc, très bien, nous allons suivre l'évolution du dossier et nous allons voir ce qui a passé. Demain, si Dieu veut exactement qui ça a sorti. Donc, portez-nous bien, branchez et inscrivez, partagez la vidéo. Nous.